Un jour, en ce moment, j'étais petit, quoi. J'étais très gosse. J'étais avec mon père, il y avait la radio. J'entends quelqu'un qui chante. Nitaramalila, Bamako Baji Bajarala, Ika Fojarabiye, Kakan Samafutola. Ça me plaisait beaucoup. C'est une chanson d'amour, ça me plaisait, mais je ne savais même pas ce que c'est que l'amour. Après, j'ai demandé à mon père qui chante ça. Il me dit que c'est un type qui vient de Kai. Il s'appelle Karka. Je lui ai dit, mais pourquoi on lui dit Karka? Il savait jouer au ballon. C'est dribble, c'est-à-dire en bambara, carcar, ça veut dire casser, casser. C'est dribble, il fait casser les joueurs les uns aux autres, quoi. Il sait beaucoup dribbler. Donc c'est parti comme ça. Carcar, 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 tout le monde l'appelle carcar. Après un jour, j'ai un ami qui me dit, tiens, viens, j'ai une cassette bambara. C'est très bon. Il dit, c'est du blues bambara. On est parti chez lui, il a mis la cassette de carcar. C'est les musiciens, les artistes maliens, les artistes ressources du Mali. C'est des vieux artistes. Ils peuvent nous parler de la musique de 1960, peut-être même avant ça. Ils peuvent nous parler, ils connaissent la musique du Mali. Ils savent là où quitte la musique malienne, là où ça veut partir, ils savent.
Dans les années 60, je crois que c'est le premier presque qui a transformé le tuis en bambara, en malin, dans la langue du Mali, quoi. Et là, à chaque réveil à la radio Mali, à chaque réveil, c'était, on entendait toujours la chanson de Karka, Malidé, levez-vous, Malidé, levez-vous pour travailler, Malidé. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. En tout cas, c'était un réveil pour sensibiliser la jeunesse à travailler pour l'indépendance. Après 60, 62, il avait disparu sur la circulation. Mais sa musique toujours continuait au réveil du matin et de la radio Mali. Qu'il faudrait quelque peu replacer ça un peu dans le cadre de l'euphorie des indépendances. Donc en 60, on est indépendant, et puis tout de suite, bon, il y a le défoulement, il y a comme une sorte de défoulement collectif là qui se fait. Alors les jeunes, ils s'installent un peu partout, alors maintenant, il faut fêter d'une certaine façon l'indépendance. Karkar va cristalliser autour de lui pas mal d'admiration de la part de ses camarades. Admiration pour lui parce que c'est un excellent guitariste. Et puis, il aimait beaucoup s'habiller style Elvis Presley, avec des blousons en cuir, des jeans, etc. Et cela suscitait beaucoup d'admiration de la part de beaucoup de ses camarades, justement, de Grain, qui se sont installés chez lui. Et il a d'ailleurs regretté beaucoup après comment est-ce que certains, après, ont pu l'abandonner comme ça. I want to be.
et la géographie de notre pays les décide tout naturellement. Au deuxième Grand Prix, il y a un ami à Karkar, un de ses camarades d'âge, qui crie là tout de suite, qui dit, écoutez, Kaïsien, sortez là, venez voir l'homme qui arrive là. C'est celui-là qui nous a tous trompés en 63. Il a pris sa guitare, il nous a dit, écoutez, Kaïsien, les Maliens, venez construire votre pays. Nous sommes venus et nous sommes tous foutus maintenant ici. Nous sommes tous dans la merde maintenant ici. Ça, c'est de sa faute. C'est lui qui nous a fait ça. Bon, alors, tout le monde s'est mis à rire, car aussi avec, en disant, écoute, hein, Maïssa, tu arrêtes tes conneries, là. Dis, mais c'est toi qui nous as tous foutus là-dedans. En 63, tu nous as tous leurrés, tu nous as fait croire que maintenant, le Mali est indépendant, ça sera carrément un paradis terrestre, etc. Ben, on est venu, et ben, maintenant, nous sommes dans la merde, hein. Voilà, c'est ça, c'est ta faute. Karkar est le seul qui a trouvé quelque chose, parce que Karkar est un rocker, quoi que l'on dise, c'est un rocker. Il a subi plutôt l'influence américaine. Il a subi plutôt l'influence américaine, l'influence de l'écran. Parce que c'est des films de rock que nous avons vus, parce que nous étions des fans de cinéma.
Nous étions pratiquement, si on n'était pas entre nous pour causer, on était dans la salle de cinéma. Donc, mais Karkar a su, à partir de ça, se créer un style à lui. Toutes les salles de cinéma passaient le truc de Bill Haley, Rock Around the Clock, Little John. On a vu beaucoup de films de rock. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui a fait le succès de Karkar. Parce que Karkar a été l'un des premiers aussi à vulgariser la guitare électrique. C'est-à-dire être seul, avoir une guitare jouée, chantée et haranguer les fous. Tu as grand de Santa Maria de Tumbe, Lonkia, Tumena, Tavilian, Animan Gavier, Ambe Baroquia, Santa Maria Roletia. Santa Maria ika deni funye niwara Santa Maria ika deni funye kabiri dugera nema deni na dia nyakele bana Santa Maria Niwara Santa Maria ika deni funye Niwara Santa Maria ika deni funye kabiri dugera nema deni na dia nyakele bana Santa Maria Niwara Santa Maria ika kaja funye Niwara Santa Maria ika kaya du funye kaja du traure kubena tiletewa Niwara Santa Maria ika segna funye segina hamala kubena tiletewa
kari kari marison ega na deni yo kari kari marison ega na deni yo kari kari marison ega na jerke don kari kari marison ega na jerke don kari kari marison va danser mon ami va danser mon ami. Je crois que les grains sont venus à cause du régime socialiste. Parce que le régime Modibo nous a d'abord conscientisés dans le nationalisme, le patriotisme. Et c'est l'élan patriotique du Malien vient de là. Mais en fin de compte, c'était devenu tellement serré que les gens avaient plutôt besoin de se retrouver. C'est-à-dire qu'il fallait avoir les mêmes affinités, c'est-à-dire être des musiciens ou des sportifs, ou même des politiciens, se retrouver et essayer de causer entre vous des différents problèmes, parce que c'était les seuls endroits où on pouvait parler librement, sans entrave. Ensuite, le thé aidant, c'est des causeries qui pouvaient s'étendre jusqu'à 2h, 3h du matin. Or, les grains faisaient que les gens, de plus en plus, s'éloignaient des centres de réunion politique. Donc, il fallait les interdire pour amener tout le monde à vivre l'esprit politique du moment. Attention là, laissez l'arbitre et les décisions prises. Mais tirez du quoi? Laissez l'arbitre et les décisions prises là. On ferme la bouche. Il n'y a pas de temps.
Dans les années 64, donc il y aura une sorte de conjugaison de phénomènes. Donc les grains ont pris un coup, Karkar travaille maintenant. Bon, donc il n'a plus tellement le temps de se consacrer d'une certaine façon à la musique. Et je crois qu'avec la connaissance de Pierrette aussi qui va se faire, bon, alors cela va plus ou moins l'assagir, quoi, hein, entre guillemets, puis aussi avec les responsabilités familiales. Parce que n'oublions pas, Karkar, il est le troisième garçon de la famille. L'aîné de la famille était déjà en Côte d'Ivoire. Le deuxième, hein, Kalilou, était à Cuba pour étudier la musique. Donc, tout de suite, là, le rôle de chef de famille, hein, lui revenait tout de suite de droit, puisqu'il avait perdu entre-temps son père. Il va quelque peu décrocher, il va ranger sa guitare, quoi, et passer des années comme ça, carrément, dans un silence total. Donc, pendant les vacances, je viens à Taï. Bon, et Karl, comme il est au marché, bon, alors quand je vais au marché, j'ai un ami, hein, qui est à côté de lui. Quand je passe pour aller chez cet ami, je vois Karl autour d'une petite table. Bon, il vendait des petits slips pour enfants, des t-shirts, etc. Disons de la marchandise made in Hong Kong, quoi. Hein, c'est pratiquement ça ce qu'il vendait, des chaussettes, etc. Bon, une table très modeste. Bon, alors, visiblement, ce n'était pas quelqu'un réellement qui pouvait réellement joindre les bouts avec cette petite table comme ça, surtout entretenir une famille. Bon, avec cela, c'était réellement très, très difficile. J'ai beaucoup souffert de ça quand j'ai vu Karl. J'ai constaté, pour moi, c'est la déchéance, quoi. C'est une déchéance totale pour lui. Je me suis dit, non, Karl, il faut que tu retournes à la musique. Ça, il faut que tu retournes à la musique. Et il m'a dit réellement, je voudrais bien, mais que faire? Non, je n'ai pas de moyens pour retourner à la musique. Si tu savais comment je t'aime, toi aussi. Tu savais combien je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Serre-moi dans tes bras. Je sentirai pour toi. Madi, Anizu et Chamangé nous ont fait amical là. Non. Autrement, Kaye Kadi. Folie, tu me regardes Kaye. Non. Kaye Kabet, mais nous on sera amical qu'il est là. Amical Tumbe, allez tenir quand animation est robaye. Quand il aime Bella Jelme Nyo Sroye, samedi ou Annie Dimasson fait. C'est vrai. Il est quand il orpissé. Il est quand il orpissé baye. Yeah.
Serre-moi dans tes bras, je sentirai pour toi. Serre-moi dans tes bras, je sentirai pour toi. Serre-moi dans tes bras, je sentirai pour toi. Pierrette, c'était une belle femme. Et Karkar m'a même avoué que le jour où Pierrette l'a rejoint, tout Maïna était à la gare. Dira, ah, c'est la femme de Karkar qui doit arriver aujourd'hui, il faut que l'on soit là pour voir qui c'est, comment elle est, etc. Bon, donc, l'arrivée de Pierrette à Maïna, ça va être une grande fête. Mais... Zangye sera domina kone manda nyamole. Promi zangye sera domina kone fini sanateni nye. Promi zangye sera domina e kone robu sanateni nye. Promi zangye sera domina e kone suchen sanateni nye. Longolo kone matini nye. Colombe se ambenoñe Longolo kone madeli nye Colombe se ambenoñe Edenigo Promi zangye sera domina kone manda nyamole. Promi zangye sera domina kone manda nyamole. Longolo kone madede nye kolombe se amenyonye.
Yeah!
Karkar a beaucoup aimé Pierrette, qu'il a beaucoup aussi aimé. Pierrette l'a beaucoup aimé parce que je me rappelle un soir, une nuit là-bas chez eux, Pierrette m'a avoué, et Karkar était là assis, et elle m'a dit, tu sais, ton ami Karkar, quand moi je l'épousais, hein, il n'avait même pas le sou, hein, il n'avait absolument rien, mais je l'ai épousé par amour. Et je crois aussi que Karkar aussi va aimer Pierrette, effectivement, par amour. Ce sera un amour intense, très très fort entre les deux. Alors maintenant, j'apprends que la femme, que Pierrette est décédée. Alors ça a été réellement un coup de massue hein, que moi j'ai reçu. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Cette femme avec qui j'étais pendant les vacances, avec qui je plaisantais, j'ai tout fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'elle est morte? Bon, j'ai pensé à un accident de circulation. Bon, alors c'est après que j'ai appris que c'est non à la suite d'un accouchement qu'elle est décédée. Alors j'ai compris aussi tout le désarroi de Karkar. Je me suis dit, alors là réellement, Karkar il va être encore fragilisé davantage, puisque sa seule femme, la seule personne justement qu'il a aimée de façon aussi intense hein, que Pierrette, vient aussi de disparaître. Alors j'ai eu peur pour lui. Et jusqu'à présent, je suis surpris du stoïcisme de Karkar. Je suis surpris qu'il ait pu réellement surmonter cette épreuve, qu'il ait pu réellement dominer cela, parce que franchement, je ne pensais pas du tout qu'il aurait pu résister à la mort de Pierrette.
be koro ko de jinu tu ala e mariam ma de kini do be koro ko de jinu tu ala e mariam ma Karkar, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert et c'est quelqu'un qui a cru, à tort ou à raison, que ses souffrances ne sont pas naturelles, que ses souffrances réellement, sûrement, viennent de quelque chose, d'un ordre beaucoup plus puissant, d'un être supérieur, de quelque chose en tout cas qui lui est extérieur. Alors, sa culture traditionnelle, justement, aussi, a renforcé quelque peu ce sentiment. Et les Bambara sont réputés comme étant de très grands féticheurs dans la société traditionnelle, comme étant des hommes très puissants au niveau des fétiches et des hommes très redoutés d'ailleurs aussi. Alors donc, car si en sorte il se livre à ses activités, c'est toujours pour se protéger, protéger sa famille et aussi protéger sa carrière. Bon, même si l'islam condamne, bien sûr, le fétichisme, condamne l'adoration des idoles, etc. Le fond culturel africain est là, il surgit inévitablement.
sumali banglana sute ke sumali nanyo nyekumala nanu L'islam est très important dans la vie de Karl parce que son père était musulman pratiquant, sa mère musulmane pratiquante. Bon alors, inévitablement, par éducation, par respect des anciens, Karl aussi ne pouvait être que musulman pratiquant. Alors je crois qu'il y a deux aspects au niveau comme cela de la vie spirituelle de Karl. D'un côté, il y a cette croyance très très forte au surnaturel, au mysticisme, etc. Mais de l'autre aussi, l'islam va quelque peu tempérer chez lui certaines ardeurs, certains comportements. C'est-à-dire, par exemple, l'esprit de vengeance. C'est l'islam qui va lui faire renoncer à la vengeance. C'est l'islam qui va en sorte le pousser à la tolérance. C'est l'islam qui va en sorte le pousser encore à accepter des gens qui l'ont abandonné. C'est par l'islam encore qu'il va en sorte accepter la mort de Pierrette. Hein, la mort de Pierrette, c'est seulement l'islam qui peut en sorte le consoler à ce niveau. Hein, alors, en se disant, après tout, c'est Dieu qui a voulu cela, c'est Dieu qui m'a donné une femme, c'est Dieu qui me l'a prise, alors je dois encore remercier Dieu, je dois l'accepter. Thank you.
Karkar était noble. C'est un fils de noble. Il n'est pas un homme de caste. Dieu a voulu qu'il soit artiste. Et il est artiste. Parce que un artiste est un artiste. Tu peux être artiste dès que tu n'es pas griot. Car n'est pas un griot. Moi, je suis un griot. Moi, je suis né griot, père griot, mère griot. Donc, c'est une famille de caste. C'est une famille de griots ici. Un griot est près du chef. Il est plus proche. C'est comme le protocole. Un griot, c'est le protocole du chef. Il est tout le temps près du chef. Et tout ce que le chef dit, il le dit au griot. C'est le messager. En un mot. Dans la société traditionnelle, même s'il est noble, il a le devoir, l'obligation de s'occuper justement de sa famille, comme je l'ai dit, d'entretenir sa famille par tous les moyens honnêtes possibles. Même si cela doit passer par des tâches domestiques, par du travail avilissant, etc., cela doit être fait. Karkar donc part en France, hein, il part en France et... il m'a écrit pour me dire qu'il va travailler dans le bâtiment pendant quelque temps. Et maintenant, les après-midi ou le soir, il va dans les foyers maliens. Il y a eu un moment où les gens disaient même que Karkar était mort, les bruits ont couru, qu'il était mort. Et bien longtemps, les Maliens ont cru parce qu'on n'avait plus de nouvelles sur lui. Sauf, je ne sais pas en quelle année, où il y a un Anglais qui a écouté sa musique en Angleterre et qui vraiment, ça l'a tellement plu et qu'en ce moment, il est venu à la recherche de Karkar. Et là, alors, la radio malienne était obligée de revenir, de dire aux Maliens, attention, attention, Karkar est vivant. Hein? Alors, les bruits ont couru de bouche à l'oreille. Et puis, sauf le jour maintenant où la radio malienne a informé le public malien que Karkar était bien vivant. Et c'est en ce moment que les gens vraiment ils n'avaient plus d'inquiétude. Ils savaient alors maintenant que Karkar était vivant.
L'anglais, il a pris l'avion, quoi, il est parti à Paris à sa recherche. Quand on a dit qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de lui, bon, il était tellement découragé que vraiment, il n'a pas voulu s'intéresser trop au monsieur, quoi. Hein? Alors, mais il y a son camarade, son ami qui est venu, mais vraiment, non, Karkar, c'est fini, ta vie est refaite. Donc, il faut vraiment... Il a même téléphoné, il a même mis du temps pour, avant de répondre au téléphone. Mais le type lui est toujours poussé. Non, mais si tu luttes pour ça, c'est fini ta vie. Tu n'auras plus de chance dans ta vie. Alors il faut faire. Là, je crois qu'en fin de compte, il a décidé de téléphoner au monsieur et en lui donnant son adresse tout. Et puis, je crois qu'il s'était rendu, ils ont un point de rendez-vous à un métro, devant un métro. Alors il a dit au monsieur, si vous voyez quelqu'un avec une casquette, c'est moi. C'est Karkar. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à Paris.